り止まない拍手の中お辞儀した富と名声それにまつわるいろいろないいことおかげさまでもそれは楽だいわだびーこんにちはそしてわかいき、et oui, c'est le Japon qui va gagner cette année, c'est sûr. Pour la première fois que le prix de l'Arc de Triomphe se déroule à Chantilly, ils essayent depuis 1969 avec Christophe Lemaire, Makaiki. Arnaud, tu dis l'anglais, postpone. Mais enfin, bon, soyons sérieux, enfin, Loïc. Ah, il y a les Français aussi, même si les meilleurs sont pas là, mais il y a les Irlandais aussi. Oh, les Irlandais, c'est pas parce que Eden O'Brien a mis 3 chevaux qu'il a une meilleure chance. Mais non, soyons sérieux, c'est Makaiki qui va gagner, on va tous vous sacrer. Eh bien, en fait, non, ce ne sera pas encore pour cette fois. Et pourtant, le Japon y croyait dur comme fer, avec de très bonnes raisons. Tant le 3 ans Makaiki, associé à Christophe Lemaire, paraissait sûr de sa force, de plus soutenu par des supporters toujours aussi enthousiastes. Oui, c'est notre lune de miel. C'est la première fois qu'on voyage en France. Nous, on vient de se marier et on a choisi de venir ici pendant 6 jours. Pour voir gagner, bien sûr, Makaiki. C'est le rêve pour les Japonais. Hein. On n'arrive pas, on a essayé, mais voilà. Et cette année, on a un bon cheval, le gagnant de Derby, japonais. Tout le peuple japonais, ils attendent. Il y a un peu de pression, ça c'est sûr. Oui, mais enfin, attention, Makaiki affronte certains des meilleurs pur sang du monde. À commencer par le solide guerrier français, Silver Wave, le 4 ans de Pascal Barry, qui a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud et le Prix Froid. Il faut aussi compter sur le français New Bay, lauréat du prix du Jockey Club 2015 et annoncé comme le grand tuyau du jour sur l'hippodrome. La rage de vaincre habite également le favori anglais Postpone qui vient d'aligner 6 succès consécutifs, dont 4 groupes 1. D'autres adversaires redoutables attendent Makaiki au tournant. Et surtout le trio irlandais de Coolmore, composé du 4 Highland Reel, gagnant de la Hong Kong Vase et du King George, du 8 Order of St. George, vainqueur de la Gold Cup d'Ascot, et bien sûr du 10 Found, une merveilleuse jument de 4 ans qui défie Golden Horn dans la Breeders' Cup Turf 2015 et qui a conclu deuxième de ses 5 tentatives de groupe 1 cette année. Aidan O'Brien a ainsi triplé ses chances de faire retentir l'hymne irlandais. Makaiki et Silver Wave baissent vite les armes. New Bay et Postpone se battent, mais loin, très loin des 3 chevaux de l'équipe d'Aidan O'Brien, qui signe un incroyable trio dans l'arc 2016 avec Found, que Ryan Moore lance la première, et qui s'envole devant Highland Reel et Order of St. George. Ah, c'est une euphorie incroyable pour nous, mais ça n'arrive jamais ces choses-là. 1, 2, 3, on ne peut pas écrire un tel scénario. Comment peut-on même rêver d'un truc pareil? Vous avez vu, mes chevaux tiennent bien les 2400 mètres et ils pourraient même aller plus loin. Oui, j'étais très confiant avec ma pouliche et les 2 mâles ont super bien couru aussi. Ils étaient tous très à l'aise en piste et en plus, ils ont chacun eu un parcours de rêve. Coolmore, O'Brien, mais aussi les talons Galileo, prennent donc les 3 premières places d'un arc qui n'avait jamais vu de son histoire une telle domination de la part d'une seule équipe. Found, une combattante de 4 ans déjà gagnante du prix Marcel Boussac à 2 ans à Longchamp, bat le record du parcours tenu par Bering depuis 30 ans. Mais pendant le repos de la guerrière celte, le samouraï Makaiki laisse un empire abasourdi au soleil levant. Christophe, comment t'as senti les choses? Bah, je suis très déçu, mais Dès en partant, le cheval n'était pas aussi relax que d'habitude. Et bon, on est un petit peu sur l'extérieur, mais d'habitude, c'est un cheval qui ne tire pas du tout et tout. Et là, bon, il en a fait un petit peu. Du coup, déjà dans le dernier tournant, je sentais que ça ne répondait pas trop et après, il a vite été battu. Bon alors, Arnaud,
Bah désolé, Cacahuète, mais tu vas pas nous faire un rakiri quand même. Encore battu, Makaiki, pas possible, t'as. J'ai quelque chose pour toi. Une bonne Guinness, tiens. Ah, allez, ah, c'est pas du saké, mais enfin bon. Ça aidera à patienter pour l'année prochaine. Avec plaisir.